d'être là. Donc, c'est la deuxième séance hein, du séminaire Retour aux sources, recherche d'archives et archives de la recherche. Je voudrais d'abord remercier encore une fois Julien Vieuguet et Estelle Ingrand-Varenne d'avoir pris l'initiative de lancer ce séminaire, en particulier Estelle qui s'est chargée de l'organisation de la séance d'aujourd'hui. Alors, on tire hein, ce fil hein, qui nous a semblé extrêmement riche et prometteur la dernière fois, lors de la première séance du mois de juillet, avec finalement un pari peut-être un peu contre-intuitif et paradoxal, c'est-à-dire que c'est justement au moment où l'accès aux sources, à nos sources, devient difficile, délicat, voire impossible. Je me tourne vers Julien, notre collègue archéologue. Donc l'accès aux sources devient difficile et délicat, problématique. Et notre soif de sources n'en est que plus forte, n'en est que décuplée. Et donc on a besoin, on a envie aussi de parler de ce qui fait le cœur de nos métiers, de nos activités. Donc cette question des sources et en particulier des archives de la recherche. Alors la première séance, c'était une séance qui était très, où on était un petit peu tourné vers nous-mêmes. Hein, on avait besoin de se retrouver au sein du CRFJ. Donc on vous a présenté un petit peu nos différents terrains et à l'intérieur de l'équipe avec des discutants. Là pour cette deuxième séance, on va s'ouvrir un petit peu plus avec d'abord Claude Rosenthal. On est très très heureux de... Ah oui, pas d'abord parce que c'est Chiara. Alors oui, c'est ça que je dois vous dire d'abord. C'est qu'on va intervertir l'ordre des interventions. C'est d'abord Maria Chiara Rioli qui va intervenir en premier. Alors Maria Chiara Rioli, pour l'instant, elle travaille dans le cadre d'un financement européen à l'université Ca' Foscari de Venise et à l'université Fordham de New York. Mais Chiara est un compagnon de route, une compagne de route du CRFJ depuis très très longtemps. Pour ce qui me concerne, j'ai rencontré Chiara pour la première fois en 2012. Et j'allais dire, on ne s'est jamais quitté. Chiara a été en particulier la cheville ouvrière et la secrétaire scientifique et l'animatrice scientifique du projet ERC Open Jérusalem pendant plusieurs années. Et donc, voilà, et elle continue aujourd'hui d'animer ce collectif. Projet, évidemment, sur les archives. Donc, on est très, très heureux d'accueillir Maria Chiara Rioli aujourd'hui pour ce séminaire. Elle reviendra pour d'autres séances, on vous en parlera. Et puis, en deuxième intervention, Claude Rosenthal, qu'on est très, très heureux d'accueillir aussi, puisque Claude rejoint donc l'équipe du CRFJ en tant que chercheur titulaire. Claude est directeur de recherche au CNRS, sociologue. Et donc voilà, on s'ouvre sur des problématiques plus contemporaines, comme on l'avait évoqué en juillet. Et on est particulièrement heureux voilà, d'accueillir Claude, puisqu'il arrive au CRFJ dans des circonstances évidemment difficiles, particulières, mais il est là, il est bien là, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour être là, nous aussi. Donc voilà, c'est une façon aussi pour nous de l'accueillir voilà, aussi sur un plan scientifique et intellectuel au sein de notre collectif. Voilà, et puis merci beaucoup aussi aux discutants qui vont animer cette rencontre. Donc en particulier Franck Alvarez-Pérez, qui est lui aussi un compagnon de route de longue date du CRFJ, qui nous accompagne pour beaucoup de choses. Je sais pas, là j'ai dit pas, je vais essayer. C'est la père de la fille. Hein. Allô, allô. On peut couper tous les micros. Donc Franck, voilà, Franck qui va participer à la discussion. Johan Morvan, qui est chargé de recherche au CNRS et qui est membre statutaire du CRFJ. Et puis Yann Potin, qui est historien, qui est enseignant à l'Université Paris-Nord en histoire du droit, qui est également archiviste et qui travaille aux archives nationales et qui est un petit peu notre conseiller pour tout ce séminaire. Voilà, j'en dis pas plus. Je passe la parole à Maria Chiara, que je suis encore une fois très très heureux d'accueillir, même virtuellement.
Merci beaucoup. Ok, vous voyez la présentation, c'est bien? Oui. Ouais, parfait. Super. Alors, merci vraiment pour cette possibilité de partage et de discussion. Et c'est essentiel maintenant, c'est encore plus que, oui, que jamais peut-être. Et pour moi, c'est aussi une grande émotion. Parce que je pense que l'intérêt, et on peut dire aussi un peu l'obsession pour les archives, est entré dans mon métier grâce au CERFJ. Et je coupe, pardon, ici, comme ça vous voyez mieux peut-être. Ok. Et j'étais au CERFJ pendant la première année de ma thèse. Et là, j'ai rencontré Vincent. Et dans la même période, je vais rencontrer aussi Charles Leroy, Yohanan Elihai, dont je vais parler après, qui m'a montré les archives de l'œuvre Saint-Jacques, et dont on va discuter pendant la présentation. Et je suis actuellement, Marie Sklodowska-Curie Global Fellow, et mon projet de recherche penche sur l'histoire de l'œuvre Saint-Jacques, et qui permet aussi de croiser les réseaux transnationaux juifs chrétiens en Israël, mais en Europe aussi, aux États-Unis. Donc, pour entrer dans le sujet et l'encadrer, il faut rappeler, oui, que les identités religieuses et les relations interconfessionnelles représentent des phénomènes cruciaux du XXIe et XXe siècle aussi. Le renouvellement de l'importance de la dimension religieuse au niveau global est évident dans les implications des religions dans les conflits contemporains. Et l'approche conventionnelle se concentre généralement sur les conflits, sur les facteurs de division. Les racines historiques reçoivent moins d'attention, comme l'étude d'acteurs locaux impliqués dans la promotion des rencontres entre communautés. Le Moyen-Orient et le cas israélo-palestinien en particulier constituent un scénario fondamental, où les narrations se sont focalisées sur les divisions inter- et intra-religieuses. Et mon projet approche ces questions à travers l'analyse d'un cas d'étude jusqu'aujourd'hui pas suffisamment exploré par l'historiographie. C'est l'histoire des réseaux transnationaux chrétiens et juifs entre Israël, le Moyen-Orient, l'Europe et les États-Unis, et à partir de l'établissement de l'État d'Israël en 1948 jusqu'à aujourd'hui. Ces questions se lient à l'intérêt historiographique croissant autour de l'histoire des conversions. Et en 1999, les Annales ont dédié un numéro aux études de conversion. À Levrand, Pierre-Antoine Favre s'est demandé, je cite, « Pourquoi aujourd'hui les problèmes de la conversion religieuse apparaît-il dans des milieux historiographiques extrêmement divers, tout à la fois comme un carrefour très fréquenté, comme un énigme obsédante, bref, comme un thème majeur ?» Favre répondait avec quatre suggestions. Le premier, c'était que la conversion, comme beaucoup d'autres aspects de l'histoire religieuse, n'est pas depuis si longtemps que cela ouverte à la recherche indépendante, spécialement ici à la convergence d'horizons culturels qui ne sont plus des appartenances confessionnelles. En deuxième lieu, car l'intérêt autour des formes et des degrés d'appropriation des dogmes chez les individus et chez les peuples. Et la troisième suggestion était que la résurgence des frontières et des identifications religieuses dans les conflits contemporains donnait plus d'intérêt à la conversion, que j'ai souligné au début. Et la quatrième est que la conversion devient l'instrument, pour l'historienne, d'une composition globale des multiples formes de l'adhésion religieuse dans les sociétés étudiées. J'essaie donc de croiser ces questions et ces suggestions à travers l'histoire de l'œuvre Saint-Jacques, à partir de la fin des années 40. Les protagonistes de l'œuvre sont des Français, des Anglais, des Polonais, des Hollandais, des Allemands juifs, parmi lesquels des survivants de la Shoah, qui se convertirent au christianisme et plus particulièrement au catholicisme et qui se transfèrent en Israël, où ils développent une intense fascination pour le nouveau État. Ils créent une communauté judéo-chrétienne, comme avec l'expression utilisée, la Keïla, à l'intérieur du diocèse latin de Jérusalem, le patriarcat latin de Jérusalem. Certains membres déclarent leur soutien au sionisme en ouvrant des conflits avec une église, l'église catholique latine de Jérusalem, en majorité arabe, palestinienne et jordanienne. Ils établirent aussi un kibbutz chrétien et ils ouvrent des relations et des contacts avec des membres
du gouvernement et de la diplomatie israélienne et avec nombreuses associations juives et chrétiennes en Europe et aux États-Unis. Il promeut aussi des relations entre Israël et le Saint-Siège, avant, pendant et après le Concile Vatican II, avec le but d'éradiquer la tradition d'antisémitisme chrétien, dans une phase où le Vatican était très prudent vers l'œuvre Saint-Jacques même. Et si certaines initiatives des membres de l'œuvre Saint-Jacques provoquent des critiques, des réactions des leaders arabes, musulmans et chrétiens, et notamment pendant le Concile Vatican II, certains membres sont aussi impliqués dans le mouvement pacifiste israélo-palestinien, et le cas le plus célèbre est le cas du dominicain Bruno Sar, qui fonde les villages de Neve Shalom Wahat Asalam. Et d'autres membres deviennent des intellectuels reconnus au niveau international et aussi en Israël, comme Marcel Dubois, qui est parmi les fondateurs de la Maison Saint-Isaïe, et à Jérusalem, qui était un centre dominicain d'études juives et qui a été aussi professeur à l'Université hébraïque. L'identité de cette communauté était, et est encore aujourd'hui, connectée avec des questions brûlantes sur l'État d'Israël et sa définition. La question qui est juif retourne dans l'histoire de la Keïla. Un des membres de l'œuvre, Daniel Rufaisen, est protagoniste d'un des cas juridiques parmi les plus importants de l'histoire de l'État d'Israël. Et la question c'est, est-ce que c'est possible d'appliquer la loi de retour à un juif converti au christianisme? Et cette question est essentielle aussi pour la fabrication de l'identité dans la communauté. Et les membres se définissent comme des juifs chrétiens, donc avec ces doubles appartenances, et se perçoivent aussi comme des passeurs de frontières entre fois. Et à partir des années 90, l'œuvre Saint-Jacques compte parmi ses membres aussi des immigrés russes et des asiatiques, et donc avec une complexité croissante qui change l'identité, la composante même de la communauté. L'histoire de l'œuvre Saint-Jacques montre le besoin d'un renouvellement des méthodologies et des paradigmes d'analyse sur l'étude des relations judéo-chrétiennes sur l'échelle globale. Et l'objectif principal de ma recherche est de bâtir un nouveau cadre d'analyse des relations entre juifs et chrétiens en Israël dans le XXe siècle à travers l'étude d'archives publiques et privées inédites. Le projet se structure autour de quatre sous-objectifs. Le premier se propose d'arriver à la reconstruction de l'histoire des juifs convertis au catholicisme en Israël après la Shoah, donc, en se demandant quelles motivations, expériences et raisons historiques sont à la base de ces conversions. Et pourquoi il se transfère en Israël, quelles pensées, réflexions, émotions il développe dans les pays, et qu'est-ce que c'est le syntagme problématique juif-chrétien. Et le deuxième sous-objectif se concentre sur les réactions et les interactions entre l'œuvre Saint-Jacques et la communauté catholique latine arabe. Et donc comment évêques, clergés, sœurs, laïcs, intellectuels, ces réactions et s'opposent aussi aux publications, aux rencontres, à la liturgie même élaborée par les membres de l'œuvre Saint-Jacques. Et quelle est l'attitude aussi de la société et l'opinion publique juive israélienne à cette communauté? Le troisième sous-objectif essaye d'historiser le réseau transnational et le mettre dans le contexte du conflit israélo-palestinien et de relations juives-chrétiennes au niveau global, donc, en soulignant rupture et continuité. Correspondance spécialement de turning points comme les deux intifadas. La Qaïda était divisée entre soutien et opposition aux actions politiques et militaires israéliennes dans les territoires occupés. Le quatrième sous-objectif essaye d'élargir l'analyse au discours historiographique sur les relations entre juifs et chrétiens dans le XXe siècle. Donc, comment peut cette analyse contribuer à une révision des paradigmes consolidés dans l'étude des relations entre chrétiens, juifs, mais aussi musulmans? Comment l'histoire, religious studies et sciences politiques peuvent être renouvelées par un discours sur les conversions à partir des archives? À partir de ces questions, donc, aujourd'hui avec vous, je voudrais explorer certains points liés aux archives. Donc, se mettre sur les traces de l'histoire de l'œuvre Saint-Jacques veut dire se poser immédiatement une question. Comment documenter une conversion? Quelles sources peuvent-elles restituer des fragments
pour reconstruire une expérience religieuse intime et en même temps qui implique publiquement deux communautés comme celle-ci de la conversion. Donc, historiquement, les sources pour une histoire de conversion du judaïsme au christianisme, conversion libre forcée, donc, ou la complexe nuance entre les deux, dans l'âge moderne, se réfère principalement aux déclarations d'abandon de religion, au registre des prosélytes, le registre des baptêmes, le registre des mariages juifs et chrétiens, le registre civil, les documents des maisons des catéchumènes. Pour l'histoire de l'œuvre Saint-Jacques, les premiers documents classés dans les archives de l'œuvre et en catéchisme, il s'agit du premier catéchisme imprimé en hébreu à Jérusalem, imprimé par l'imprimerie franciscaine de Terre Sainte en 1945. Et c'est Orba Osher, donc Lumière et Light and Happiness. Et c'est un texte très intéressant que je n'ai pas le temps de développer, mais peut-être va revenir dans le débat. Et c'est un texte en hébreu, donc vous voyez la numérisation de la copie qui est dans la New York Public Library. Et les auteurs de ces catéchismes sont inconnus, on voit que les lettres initiales, mais à mon avis, ces lettres sont un acronyme d'un motto catholique, donc Ad Maiora Deum Gloria et Virgo Maria. Et c'est un texte donc, qui est aussi la traduction, c'est un mélange, c'est un texte nouveau, mais aussi qui reprend un catéchisme du diocèse de Trier. Et donc l'auteur est très probablement un carmélitain, Jean-Marie Paul Bocher, qui a des relations avec un des fondateurs de l'œuvre Saint-Jacques, qui est Jean Leroy, que j'ai cité tout au début. Donc la question des langues est une question centrale dans l'histoire de l'œuvre Saint-Jacques. C'est aussi une entrée pour voir des aspects des archives aussi. Et il montre aussi la circularité entre imprimerie, bibliothèque, archives, qui est de nourriture pour nos recherches. Et donc, j'ai cité Jean Leroy, donc c'est intéressant, je pense, la biographie même de Jean Leroy, c'est très intéressant en fait, et mérite attention. Il est né en France en 1926, donc il a voyagé en Palestine en 1946 et aussi l'année suivante, donc il est devenu après petit frère de Jésus. Il a visité Israël tout au début des années 50 et il s'est transféré définitivement en 1956 à Jaffa. Et il a travaillé pour des décennies sur la traduction de la liturgie latine en hébreu, et même avant le Concile Vatican II, donc avec un appui spécifique du Rome sur ça, et aussi sur la création des chants en hébreu. Et il a été un fondateur de toute réflexion sur le dialecte palestinien. Il a enregistré des centaines d'heures de conversations entre palestiniens des conversations des palestiniens en Israël et en Palestine. Il a publié des dictionnaires et en français arabe, hébreu arabe, arabe anglais, et jusqu'aux années très récentes. Et en 2008, il a reçu le prix Golda Meir pour son engagement pour les rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Et donc, il est mort dans le mois de juillet. Et Yohanan, donc, il a changé son nom avec un nom en hébreu. Il a été animateur de l'œuvre Saint-Jacques pour plusieurs décennies et s'est engagé dans la création d'une église hébraïque en Israël, comme il l'a défini. Et il a créé aussi les archives donc, de l'œuvre Saint-Jacques. Donc, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, on voit un cas de un des fondateurs qui est aussi producteur, qui est conservateur. Donc, toutes les figures qui se mélangent d'une façon bien évidemment problématique. Et il a gardé ses archives dans sa maison, à Jérusalem, et jusqu'aux années récentes. Et après, il les a données au vicariat hébreu-fond qui est Rav Cook Street, où ils sont maintenant. Et, donc, les archives de l'œuvre Saint-Jacques ne sont pas que des archives en fait, qui se localisent uniquement, bien sûr, dans le siège du vicariat,
Parce que les fondateurs ont été membres de différentes communautés et congrégations. Et par exemple, les archives de Notre-Dame de Sion sont très importantes aussi pour l'étude de l'œuvre. Et on retrouve en particulier un album de photos des toutes premières années de l'œuvre Saint-Jacques. Et on voit ici aussi la fabrication de l'image de l'œuvre. Par exemple, ça, c'est une photographie de Charles Genet, un prêtre assomptionniste qui figure tout au début de l'histoire. Et cette photographie-là montre vraiment l'image du pionnier, qui est un mot qui revient dans les documents de l'œuvre et dans les statues aussi. Et il faut être des pionniers du dialogue entre chrétiens et juifs, des pionniers de soutien au sionisme. Donc, il y a vraiment cette image qui revient, qu'on retrouve dans des sources différentes, pas uniquement papier. Et les archives de Charles Genet sont bien évidemment aussi dans les archives assomptionnistes, et qui se retrouvent dans la maison assomptionniste de Saint-Pierre en Alicante, et qui sont des archives aussi qui nous racontent l'histoire de la rédaction des statuts de l'œuvre, une rédaction très compliquée pour plusieurs discussions sur les références idéales et aussi sur le but de l'œuvre. Et on voit les différentes versions dans les archives de Charles Genet. Un autre protagoniste, j'ai cité avant, est Bruno Sarr, un dominicain qui est né à Alexandrie et qui est mort à Jérusalem. Et la plupart des archives de Bruno Sarr sont dans les archives dominicaines au Sochoir, donc à Paris, avec les papiers privés des dominicains qui sont transférés en général dans la province d'origine, donc dans ce cas-là, dans la province française. Et pour les archives de Sarr, on a un inventaire qui a été préparé par Claire Maligaud. Et les archives consistent de 8 boîtes, surtout, qui se concentrent surtout sur les années 1960-1990. Et qui sont surtout des notes de prédication, des conférences, des bulletins, spécialement sur la période de construction des Neve Shalom du village. Mais il y a aussi toute une documentation très riche sur la guerre des Six Jours et sur la rédaction de la déclaration Nostra Aetate pendant le Concile Vatican II, à laquelle Bruno Sarr participe. Et Sarr est important aussi parce qu'il nous permet de arriver aux États-Unis, parce qu'il est le pont principal, et avec notre protagoniste qu'on va citer après, des liens entre l'œuvre Saint-Jacques et le monde juif américain, surtout pendant la guerre de 67. Donc, en fait, on retrouve des documents dans les archives de l'American Jewish Committee à New York, des textes des conférences de presse auxquelles Sarr est appelé à intervenir en soutien de la position israélienne, aussi après la déclaration de l'ONU sur le sionisme. Et Sarr est en contact aussi avec d'autres personnalités importantes dans les relations entre juifs et chrétiens des États-Unis, et notamment avec Jean-Maria Osterreicher. Osterreicher, aussi dans ce cas-là, la biographie compte. Et il est né en 1904 à Moravie dans une famille de juifs. Après des études en médecine et en théologie, il s'est converti au catholicisme. Il fut ordonné prêtre en 1927. Et il développe toutes des initiatives contre le régime, contre le racisme, antisémitisme hitlérien. Il se réfugie avant l'Anschluss, il se réfugie à Paris. Et après, en novembre 1940, il fuit aux États-Unis. Et il est le fondateur de l'Institut pour les études judéo-chrétiennes dans l'université de Seton Hall, dans le New Jersey. Et ce centre est devenu un point de référence pour nombreux leaders juifs aux États-Unis. Et il a été aussi consulteur du secrétariat pour l'unité des chrétiens pendant le Concile, donc c'est un des auteurs de la déclaration Nostra Aetate. Et après sa mort, en 1993, ses archives sont placées, inventoriées dans l'Institut. Et cet Institut est devenu un pont, un des objectifs de cette archive est de collecter les archives d'autres
acteur impliqué dans les relations avec, entre juifs et chrétiens aux États-Unis. Et donc la collection des documents d'Osterreicher est très riche. Et elle inclut aussi des manuscrits, de la correspondance, des interventions qui couvrent toute sa vie, avec, oui, bien sûr, une prédominance sur les années après le déplacement aux États-Unis. Et dans ses archives, on retrouve la correspondance avec certains membres de l'Œuvre Saint-Jacques, aussi des bulletins, des lettres pendant le concile de l'abbé Rudloff, qui était un des membres de l'Œuvre qui était impliqué dans la rédaction de la Déclaration Nostetate. Et il y a aussi une section photographique très intéressante, et avec des photos du premier voyage d'Osterreicher en Israël, la première visite à Yad Vashem, que j'ai utilisée tout en ouvrant la présentation. Une partie de ces photos se retrouve aussi dans les archives du Center for Jewish History, toujours à New York, plus particulièrement dans la collection de Joseph Lichten. Donc, wow, on retrouve d'autres images de ces voyages qui reviennent dans la mémoire, comme les premiers voyages d'un représentant catholique en Israël avec une attitude pro-israélienne, disons. Toute la discussion sur les archives et sur le concile nous amène bien évidemment au Vatican et à Rome. Dans les archives du Concile Vatican II, qui ne sont plus dans les archives apostoliques Vatican, on retrouve les interventions d'Hussar et de Rudloff dans la préparation de Nostetate. Donc, les archives du Concile, je disais, ont été séparées des archives apostoliques vaticaines et sont des archives qui couvrent la période 1959-1965, et donc le pontificat de Jean XXIII et la première partie du pontificat de Paul VI. La période immédiatement précédente, et donc le pontificat de Pie XII, 39-58, vient d'être ouverte, vous tous connaissez, aux chercheurs, et donc elle est l'objet de la dernière partie de ma présentation. Et donc les archives de Pie XII sont tout à fait fondamentales pour mon travail, et oui, représentent un carrefour incontournable. Et donc les archives, l'ouverture de ces archives est elle-même un cas historiographique. Donc, ces archives ont été objet d'un travail décennal de catalogation et ils ont été attendus avec beaucoup d'intérêt par les chercheurs, et tout pour essayer de déchiffrer les silences et les dilemmes de Pie XII, pour reprendre le titre d'une contribution fondamentale de Giovanni Miccoli. Surtout dans la Shoah, bien sûr. Et quand le pape François a annoncé l'ouverture des archives le 4 mars 2019, donc il ne pouvait pas savoir le jour prévu pour ce moment, jour historique, aurait coïncidé avec le début de la diffusion en Europe de la pandémie de SARS-CoV-2. Et les historiens ont accueilli l'annonce de François avec un intérêt énorme. Et cette documentation ouvre questions inédites, repositionne des hypothèses précédentes et défie les interprétations consolidées. L'ampleur des archives donc, demande des décennies d'études pour faire émerger des réponses nuancées et solides, pas uniquement sur le sujet de l'action de la papauté pendant la Shoah, mais bien sûr, ça c'est un des sujets plus importants. Une note personnelle, et donc à minuit pile, du Vatican, c'était 18h à New York, le 1er octobre 2019. Et j'ai réservé ma place dans la salle de consultation des archives apostoliques Vatican, comme d'autres chercheurs en même temps dans le monde. Dans les semaines suivantes, j'ai contacté d'autres archives, en particulier les archives de la Secrétaire d'État, de la Congrégation pour les Églises orientales. Et quelques mois après, donc dans les semaines immédiatement précédentes l'ouverture, en février, et plusieurs chercheurs ont renoncé à voyager vers Rome à cause des premiers signes en Italie de la diffusion de la pandémie. Donc, les archives ont ouvert quand même la date prévue, et cette ouverture a été suivie immédiatement, donc le même jour, par des polémiques entre les directeurs des archives de la Secrétaire d'État, Johann X, et le rabbin-chef de Rome, Riccardo Di Segni, autour du risque d'un usage apologétique des nouveaux documents.
vendredi 6 mars, 4 jours après l'ouverture, les premiers cas de SARS-CoV-2 étaient enregistrés dans le Vatican. Donc les chercheurs, tous, étaient notifiés dans la salle des archives, qui fermait juste après. Deux jours plus tard, ça c'est oui, l'histoire de l'Italie, le 8 mars, le premier ministre italien a déclaré le confinement du pays. Les archives apostoliques ont fermé définitivement pour quelques mois, pour réouvrir presque trois mois après. Et les archives de la Secrétaire d'État viennent de réouvrir il y a deux semaines, mais les conditions de fortes limitations d'accès dues à la situation épidémiologique n'empêchent, oui, un usage, une consultation efficace. Donc, j'ai pu consulter la documentation surtout la première semaine de mars, donc une période très limitée, mais pour moi très intense, parce que j'avais vu avant la documentation provenant, oui, reçue à Jérusalem et les minutes donc, envoyées à Rome. Donc, j'ai pu essayer de croiser le plus possible les documents que j'ai voyés à Rome. Donc, dans cette semaine de mars et dans quelques jours que j'ai pu passer à Rome en juin, j'ai concentré le travail sur certaines archives. Et dans les archives, les anciennes archives secrètes vatican, qui maintenant sont les archives apostoliques vatican, et il y a les archives de la délégation apostolique à Jérusalem et en Palestine. Ce sont des archives qui ont un inventaire détaillé et consultable sur place. Et qui sur place, c'est un inventaire en atome, et donc qui est le même software open source description des archives utilisées par les archives de l'UNESCO et aussi utilisées pour les projets Open Jérusalem dirigés par Vincent. Et donc, malheureusement, cette recherche, on peut dire qu'elle est en suspens parce que la limitation d'horaire et des consultations, on peut consulter que trois boîtes par jour, empêche un travail réel, oui, par les chercheurs qui ne sont pas ici dans Rome. Et par contre, dans les archives de la Secrétaire d'État, qui théoriquement permettraient une recherche plus rapide, parce qu'il s'agit des archives qui sont uniquement numériques, et en réalité, la possibilité de recherche n'est pas du tout facile parce qu'il y a encore des problèmes de consultation liés à la longueur des serveurs. Donc, la dimension, la taille de ces archives empêche, et les moyens disponibles empêchent une recherche rapide. Et toute une partie de la documentation de la Secrétaire d'État n'est pas encore numérisée et n'est pas consultable en version papier. Et donc, oui, on a cette double vélocité, mais en même temps, on commence à essayer de poser des questions sur la documentation. Juste pour délimiter des exemples très rapides, dans ces archives, j'ai trouvé une lettre du grand mufti de Jérusalem à Pie XII, datée juillet 1947. Il y a toute une documentation sur l'affaire Finali qui vient sortir. Et donc, il y a vraiment des documents qui seront importants à reprendre dans ces années. Pour ma recherche, donc il y a aussi toute la correspondance entre Rome et Jérusalem, les années de fondation de la communauté. Et il y a des documents qui témoignent l'écart entre l'approche des fondateurs de l'œuvre Saint-Jacques et les résistances vatican à faire face à Israël. Et aussi toute la réflexion sur le changement de significat du mot « mission » vers les Juifs dans le nouveau contexte israélien. Une archive à Rome, et qui fait partie toujours du Dicastère Vatican, mais qui a moins d'intérêt médiatique, mais extrêmement intéressant pour nos questions, c'est l'archive de la Congrégation pour les Églises Orientales, qui est localisée à Rome sur la Via della Conciliazione. Et pour moi, c'est dans cette archive que je retrouve les relations et les documents sur la vie quotidienne de l'œuvre, sur la pastorale, sur les réseaux transnationaux, et surtout à travers l'action du secrétaire de la congrégation, Eugène Tisserand, qui était le principal appui, disons, de l'œuvre Saint-Jacques à Rome. Et cette archive contient aussi des dossiers sur la guerre de 48,
et toute une documentation sur l'action humanitaire déployée par le Saint-Siège à travers la mission pontificale pour la Palestine vers les réfugiés palestiniens. Sur le versant Jacques, il y a un dossier spécifique qui s'appelle Apostolato presso gli ebrei, qui nous fait entrer dans le débat sur les statuts, les lettres entre tisserands et des jeunes étudiantes qui désirent se dédier à Israël et qui deviennent les protagonistes de la composante féminine qui est importante pour l'histoire de l'Auvers-Saint-Jacques. Il y a encore des documents sur le débat autour de l'ouverture d'un kibbutz chrétien à Ein Kerem et ces archives qui normalement peuvent accueillir que deux ou trois chercheurs contemporainement. Donc il n'y a pas une salle de lecture, il n'y a que oui, un petit espace pour travailler, on passe partiellement revers, mais dans ce cas, je procède avec la demande d'humanisation qui me permet de partiellement d'avancer. Donc, quelques questions à la fin de cette présentation pour, j'espère, nourrir un peu le débat, mais je suis sûre que les discutants vont rendre des questions beaucoup plus intéressantes. Et j'essaie de vous montrer comment un petit groupe de convertis peut laisser des traces archivistiques copieuses sur une échelle transnationale. Je me demande, est-ce que l'interconnexion des archives risque de nous porter à une boulimie de sources? Est-ce que les possibilités offertes par l'histoire numérique risquent parfois de produire une narration rhizomatique, dispersée, vagabonde? Quelles sont les conséquences, au contraire, du passage d'une phase d'accès potentiellement illimité aux archives, mais un peu qu'on pouvait expérimenter avant, à une phase d'accès fortement limitée, voire interdite, jusqu'à on ne sait pas quand? Et dans ce cas-là, je pense que Jérusalem nous a déjà habitués à l'attente, aux clôtures improvises et indéterminées. Donc, les archives de la ville enseignent aux chercheurs la patience et l'usage des sources disponibles, sans arrêter la possibilité de connexion avec les patrimoines accessibles, sans désespérer dans la recherche de dépôts documentaires inédits, nouveaux, dans une ville où les archives sont partout, comme Jérusalem et dans le reste du monde. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chiara. On va avoir vraiment un long temps de discussion, donc je ne voudrais vraiment pas entamer la discussion, juste relever que ce qui est peut-être le plus notable dans ton intervention, c'est le fait que ton passage d'un projet sur des archives transnationales à un autre projet, que tout ça est cumulatif et formateur. Et ça, c'est vraiment ce qui justifie à la fois nos rencontres et puis aussi nos propres parcours d'émancipation à chacun d'un projet à un autre. Mais en fait, d'un projet à un autre, on garde de la méthodologie, on garde des compétences. Et là, tout ce que tu as dit hein, sur la précision de ton analyse, à partir du moment où tu travailles sur un objet qui est a priori limité, mais en lui-même transnational, qui t'emmène en Israël, en France, aux États-Unis, à Rome, la précision que tu as sur les conditions de production, de circulation, de conservation, de description, d'accessibilité, et que tout ça t'apporte de l'intelligence, en fait, finalement, sur l'analyse des sources elles-mêmes. Donc ça, c'est tout à fait, notable dans ton propos. Alors tu as parlé de ce mois de mars, c'était 2020, hein, je corrige pour tout le monde. Tu as écrit 2019 et tu as dit mars. Oui, non, parce que l'annonce, c'était 2019. Ah, l'annonce de l'ouverture. Une année avant. Oui, oh, donc il y a eu l'attente pour une année des archives. Ah, ok. Donc c'était mars, ensuite octobre 2019 pour l'inscription, là, le fameux où tu étais à New York avec ce décalage horaire. Et puis, cette ouverture où on était en contact tous les deux, où tu as dû ensuite rentrer très, très, très précipitamment chez toi, plus dans le nord de l'Italie. Où évidemment, là, il y a une espèce de court-circuit entre les conditions de la recherche proprement dites et puis l'accès aux sources. Et puis, dire aussi juste saluer la présence de Julien Blanc, que tu connais, Chiara, qui est doctorant. En ce moment empêché de venir à Jérusalem et qui travaille sur notamment sur les frères Ratisbonne et sur Notre-Dame de Sion et Ein Kerem y compris, et voilà, juste se dire
peut-être pour essayer aussi de se consoler, mais que ce mode d'échange par Zoom permet à Julien d'écouter Chiara, voilà, entre Paris, Bologne et Jérusalem. On va passer tout de suite à la deuxième intervention de Claude, donc Claude Rosenthal, qui lui travaille sur des objets plus contemporains. Et c'était un peu le pari hein, qu'on avait voulu énoncer la dernière fois, c'est-à-dire quitter un petit peu nos rivages historiques et du temps passé. Et on a eu l'impression que Claude était accroché par les thématiques qu'on évoquait. Donc on va voir si cette accroche peut fonctionner vraiment. Et puis après, on entamera la discussion et vraiment avec nos trois discutants. Donc Claude, c'est à toi. Merci beaucoup et puis encore merci infiniment à la fois pour tout le soutien qui a précédé puis pour cet accueil maintenant scientifique, c'est vraiment formidable. Alors je voulais vraiment le dire et j'essaie. Alors par contre, je débute dans le partage d'écran. J'espère que vous voyez quelque chose. Non, ça marche. Ça marche. Ah, ça marche très bien. Moi, bah, super. Je vais pas mettre le diaporama si vous arrivez à voir. Je ne vais pas démarrer le diaporama parce que je voudrais peut-être présenter un extrait de vidéo. Bon, je n'ai pas inséré dans le PowerPoint parce que c'était peut-être un peu lourd. Je vais tenter quelque chose. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, alors, non pas d'usage d'archives rhizomatiques, mais plutôt de prolifération d'archives qui sont liées au recours aux technologies numériques et en particulier aux réseaux sociaux et qui impliquent aujourd'hui une mise en archive en temps réel de nombreux échanges, alors on va dire de la vie quotidienne ou de toutes sortes de vies. Et ces archives peuvent faire elles-mêmes l'objet d'usages non seulement différés, mais parfois immédiats, aussi bien par les acteurs que par les chercheurs en sciences sociales. Et je voudrais mettre en lumière et problématiser ces phénomènes sur un cas précis dans cette courte présentation. C'est un cas qui est extrait d'une ethnographie que j'ai menée récemment dans un salon high-tech en France qui était baptisé les Tech Days de Microsoft. Et ce salon avait pour objet, c'est un salon d'innovation qui avait pour objet de présenter les derniers produits de Microsoft, les dernières recherches aussi de Microsoft, ainsi que celles des partenaires, des nombreux partenaires de cette multinationale. Alors, ce que je voudrais faire, c'est, bon, d'une part, bien sûr, documenter le recours aux archives numériques en temps réel ou en tout cas en temps faiblement différé. Et je voudrais aussi aborder certaines conséquences de cet usage du point de vue des méthodes d'enquête en sciences sociales, d'une part, mais aussi je voudrais aborder certaines conséquences qui sont liées au traitement d'une grande question sociologique posée depuis la seconde moitié du 19e siècle et puis qui a été popularisée notamment par Le Bon, Tard et Durkheim. Et cette question concerne, on va dire, globalement le comportement des foules, mais est liée, je voudrais aborder plus particulièrement l'hypothèse qui a été souvent formulée d'une effervescence collective générée mécaniquement par les grands rassemblements. Alors, pour faire le lien entre finalement la question empirique et cette grande question, je vais donc me focaliser sur un cas qui est plus particulièrement lié à l'observation des séances des Tech Days que j'ai réalisé à la fois en présentiel mais aussi au travers de l'analyse a posteriori très, très, très peu de temps après de tweets émis par les spectateurs. Alors, je voudrais montrer en fait à cette occasion les limites d'une ethnographie menée en présentiel, on pourrait appeler ça une ethnographie 3D dans le contexte présent, et je voudrais souligner les apports en fait d'un couplage d'une démarche 3D avec l'analyse des archives numériques, des interactions
qui se sont déroulées en parallèle sur Twitter. Et donc, on va appeler ça la quatrième dimension. Alors, si l'on adopte, je sais que je parle à un public interdit de plusieurs disciplines, mais disons que si on adopte une routine descriptive durkheimienne, dans les analyses de Durkheim, mais aussi si on s'aligne sur le ton des articles produits au sujet des tech deaths par différents médias, par différents journalistes, on peut facilement supposer que la présentation des nouvelles technologies lors des séances générait un enthousiasme débridé au sein du public et que la posture de ses membres était essentiellement et uniformément acclamative, c'est-à-dire qu'il consistait à applaudir finalement et à s'émerveiller, à être enthousiaste devant le déploiement des nouvelles technologies. Alors, je voudrais montrer qu'une ethnographie justement 4D permet au contraire de mettre en évidence, non pas que ce soit une méthode unique, mais en tout cas c'est une des méthodes pour mettre en évidence une grande diversité de réactions affichées de la part des membres du public et de remettre en cause en fait l'hypothèse d'une effervescence collective, pour reprendre un terme durkheimien, générée automatiquement par la mise en foule des individus. C'est-à-dire vous rassemblez des individus, ça génère, c'est un facteur d'émergence d'une effervescence collective. Alors, afin, d'abord, je vais avoir une approche vraiment par le bas, afin de vous donner une idée des scènes étudiées, je voudrais tout d'abord vous présenter quelques photos prises lors de la séance introductive des Tech Days. Alors, cette séance était conçue comme un spectacle son et lumière dans une grande salle du Palais des Congrès à Paris qui rassemblait des centaines de spectateurs. Alors, elle était transmise aussi en direct sur Internet, donc le public était beaucoup plus large que celui de cette salle, et des démonstrateurs se succédaient sur scène pour présenter les dernières technologies de Microsoft devant un public qui se manifestait avant tout collectivement par des applaudissements. Alors, je pouvais en fait observer, bien sûr, de visu les réactions des spectateurs dans leur ensemble. Je pouvais aussi observer avec un peu plus de précision les réactions des spectateurs qui m'entouraient, par exemple au travers de paroles échangées, d'expressions faciales, quand la salle n'était pas trop sombre et que le volume des interventions sur scène n'était pas trop élevé. Bon. Le public, alors je peux peut-être aussi vous montrer un peu juste un extrait très rapide de vidéo pour que vous ayez une idée un peu de ce spectacle son et lumière. On n'a pas le son, c'est normal, Claude. Vous n'entendez pas le son ? Non. J'ai mis au maximum. Bon. Mais toi, tu l'entends, par exemple ? Bon. Bon, on imagine ce qu'ils se disent. Je vais arrêtez là parce que on a peu de temps. Je pensais à minima que ces images pouvaient vous donner une petite idée de ce type d'événement, notamment avec menés par des technologies évangélistes. C'était leur nom, c'est un statut professionnel. Et vous dire que le public était constitué surtout d'informaticiens et de geeks plus généralement,
ces spectateurs interagissaient en fait sur Twitter depuis leur smartphone tout en assistant au spectacle. Alors, du coup, j'ai pu a posteriori très vite reconstituer le fil de leur discussion et de leurs réactions affichées en les téléchargeant sur le site de Twitter. Alors évidemment, sans ces données, les principales sources disponibles sur la réception du public seraient provenues, je dirais, avant tout, par exemple, d'entretiens que j'aurais menés a posteriori, mais peut-être en quantité limitée, ou alors de comptes rendus médiatisés du déroulement des séances. Alors, ces comptes rendus exhibaient, ça c'est, voilà, des réactions unanimement positives. Je vais vous le montrer, par exemple, l'illustrer avec cet extrait d'article qui a été publié par un journaliste spécialisé sur ZDNet.fr qui s'intitulait « Les développeurs Microsoft à l'assaut de la matrice ». Alors, si vous lisez cet article, vous lisez « Sous l'impulsion de son nouveau directeur DX, Microsoft France veut rassurer. Les outils de développement maison sont à même de répondre aux défis technologiques du mobile et du web du futur. Du 10 au 12 février, l'entreprise démontre son savoir-faire aux développeurs à l'occasion des désormais traditionnels Tech Days. Bon, suit une démonstration du moteur 3D, de rendu Spartan, le futur navigateur web de Microsoft. On sent vraiment que Babylon, JS, blablabla, est le bébé adoré des équipes de développement interne de Microsoft France et qu'ils en sont fiers. Si fiers qu'ils osent glisser en passant, qui aussi c'est bel et bien mort, un rappel chaudement applaudi par la salle bondée de cette conférence d'ouverture des Tech Days 2015. Je vais vous donner un deuxième exemple publié sur fredzone.org, toujours dans la littérature spécialisée. Alors, si vous me suivez sur Twitter, Facebook ou Instagram, alors vous savez sans doute que j'ai été invité par Microsoft à couvrir l'événement. Je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de rester sur place pendant les 3 jours, mais j'avoue avoir été littéralement soufflé par cet événement. Je ne vais pas vous mentir, j'avais très peur de me retrouver dans un environnement ultra corporate, focalisé uniquement sur les technologies de la firme. Cela va sans doute vous surprendre, mais cela n'a pas été du tout le cas. Certes, il était impossible de faire 2 mètres sans tomber sur une surface, un Lumia ou même un PC propulsé par Windows 10, mais ce sont surtout les produits et sociétés qui étaient mis en avant. Mais, etc., etc. Mais la véritable star, du moins de mon point de vue, c'était évidemment Windows 10. On sent que ce dernier a une importance toute particulière dans la nouvelle stratégie de Microsoft. Et il faut avouer que la firme a mis la barre très haut. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de prendre en main la bête sur différents équipements et j'avoue avoir été agréablement surpris par tout ce qu'il est possible d'en faire. Du coup, c'est sûr, l'année prochaine, je m'organiserai pour rester les 3 jours sur place et pour couvrir l'événement comme il le mérite. Alors, bon, je pourrais multiplier les exemples, ce n'est pas le but, mais en fait, les comptes rendus enthousiastes étaient en fait largement prédictibles, déjà lors des annonces de l'événement par la presse nationale et spécialisée. Je donnerai juste un très court exemple pour passer à la suite. Je cite un article de Frédéric Perra, Tech Days, des infographies pour les 3 jours de l'événement. Du 10 au 12 février, 20 000 visiteurs sont attendus au Palais des Congrès de Paris pour les Tech Days, un des plus grands événements informatiques en Europe. Cette 9e édition, placée sous le signe de l'intelligence ambiante, sera également suivie par plus de 100 000 internautes. Des annonces sur les dernières innovations de Microsoft sont également attendues lors de ce rendez-vous. Le domaine de la traduction automatique ou encore de l'intelligence artificielle seront au cœur de l'événement, toujours pour favoriser un environnement plus technologique afin de révolutionner nos vies professionnelles et personnelles. Bon, fin de citation. Alors, il est vrai que les démonstrations publiques qui s'enchaînaient sur les scènes du Palais des Congrès avaient été longuement préparées par des spécialistes des équipes de Microsoft, en particulier les technologies Evangelis, qui étaient des spécialistes de ces présentations, afin d'impressionner le public. Il n'en demeure pas moins que les spectateurs étaient loin de manifester un enthousiasme débridé et qu'ils adoptaient des attitudes à la fois variées et plus ou moins mesurées. En particulier,
les commentaires des spectateurs sur Twitter étaient très variables. Alors, je vais vous donner quelques exemples déjà de certains tweets qui véhiculaient tout d'abord des réactions positives et parfois enthousiastes à la série de démos réalisées sur scène. Alors, comme celle-ci, alors voilà, alors vous voyez toute la gamme et effectivement, ça pourrait faire l'objet de très très longs commentaires sur qu'est-ce que c'est que ce, quels sont les espaces de travail les informaticiens, leurs espaces de pratique. Mais alors, voilà quelques exemples. Démo convaincante des Azure Websites et surtout de la simplicité de faire du test en production. Sacrée équipe de brutaux sur scène. Démo projet Spartan exciting. Sympa la démo de Spartan. La démo Visual Studio est alléchante. Wow, amazing demo of IoT using Visual Studio. Pas mal les munitions Android dans Visual Studio. Hein. Très bonne démo de Sébastien Pertus. Ultra puissante démo de DataVis via la création d'applications pour Office. Bonne plénière, J1. Top cette première plénière. Bravo et merci au speaker. Plénière J1 over. Fuel achievement. 3 stars. Great job, guys. Impressionné par cette première plénière des MS Tech Days, Azure, Spartan, etc. Le futur promet. Cool, puissant, comment dire, ça envoie du lourd. Encore, je vous donne encore quelques idées de ces archives numériques. Donc, vous savez que les tweets, jusqu'à un certain temps, étaient limités à 140 caractères. Encore plus de musique. Pas mal l'intro en musique de C4F Coding for Fun cette année. Ça envoie du son grave, top intro, encore, démo mégalo, démo live bien fun, comme d'habitude le top, la classe, très très impressionnant comme d'habitude, putain de démo de la mort, du code, des démos, du fun, des démos, du code, etc. Bravo à l'équipe, la meilleure démo des MS Tech Day jusqu'à présent, c'est le HTTP2 par bidule, très sympa la démo de Cortana, belle démo, sympa la démo, etc. Bon. J'arrête là, je pense que vous avez déjà un petit échantillon de ces archives particulières. Mais ce qui est tout à fait intéressant et tout à fait dissonant, c'était les réactions plus mitigées, voire ouvertement critiques, qui étaient formulées au même moment sur le réseau social. Et même si vous voyez toujours, elles étaient formulées avec le même humour, entre guillemets, saillant. Alors, voici quelques exemples. Bon, démo Azure peu intéressante pour les initiés. Bon, les mecs, par contre, le texte blond sur fond orange, c'est pas possible. Présentation du projet Spartan, ça bug déjà. Le machine learning au MS Tech Days en mode boule de cristal et test bourrin. Un peu trop bien rodé cette session. Le début est bien trop carré et organisé. L'intro est à l'image du reste, du grand n'importe quoi. Les démos, c'est bien, avec du réseau, c'est mieux. Ben là, pour le coup, la pub ne va pas être bonne. Aucun professionnalisme planté comme ça. Il n'a même pas personnalisé le PowerPoint. Le pied de page copier-coller, c'est pas mal. Cortana ne comprend pas et insulte un speaker pendant la démo. Encore des progrès à faire. Session Migration Exchange vers Office 365. Mais non, rien de tech. C'est une présentation Commercial Binary Tree. Et puis, un dernier exemple. C'est abusé la présentation, c'est de l'avant-vente. Bon, voilà quelques exemples sur quoi on peut travailler, comment on peut effectivement mettre en relation effectivement les observations 3D à ces archives numériques. Alors, évidemment, certains des tweets soulignent effectivement la perception d'un caractère spectaculaire des démos. Ils expriment notamment des réactions positives. Alors évidemment, par positif, ça veut dire énormément de choses, notamment face aux réactions sonores, bon, etc. Mais d'autres formulent des avis critiques en mettant l'accent sur des problèmes techniques, des échecs, des démonstrations trop lisses. Ça, c'est un thème, en fait. Ça peut sembler être des quand effectivement, quand on les prend hors contexte, des choses totalement singulières, mais ça fait écho à tout un registre de désapprobation, de critiques anticapitalistes qui s'expriment dans le fait de rejeter des démonstrations commerciales. Il faut qu'il y ait des bugs pour que ça soit crédible.
Il y a des critiques malgré tout qui portent sur les aspects techniques ou visuels des démos, sur les savoir-faire, sur les performances, sur les commentaires, etc. etc. Bon, on pourrait en tant que tel faire une analyse logo-centrée et partir de ça pour explorer ce monde, faire apparaître des espaces, des pratiques propres aux informaticiens présents. Mais mon propos est ailleurs et je voudrais plutôt essayer d'ouvrir la discussion vers des questions non seulement méthodologiques, mais un peu plus théoriques. Alors, le cas que je viens d'aborder montre d'abord comment un grand nombre d'interactions dans la vie quotidienne font l'objet d'une archivisation en temps réel grâce aux technologies numériques. Bon, ces archives constituent, à mon sens, des corpus de données particulièrement riches pour les sciences sociales et permettent d'une part d'objectiver des phénomènes souvent difficilement perceptibles, tels que des réactions affichées, mais également elles modifient aussi le comportement des acteurs. Dans le cas présenté, en fait, les acteurs se retrouvent à interagir en 4D finalement et non en 3D. Il est bien sûr difficile pour un observateur de prendre des notes détaillées en temps réel sur des interactions en 4D. Parce que, bon, vous imaginez les limites cognitives que peut avoir un observateur, étant vous-même des observateurs aguerris et observatrices aguerries. L'archivage automatique des échanges, en revanche, constitue une ressource très précieuse. Elle permet de suivre a posteriori en fait toutes les dimensions d'une interaction en mettant en rapport des textes d'échange avec des notes, des photos et des vidéos d'interaction. Et dans le cas abordé, évidemment, en fait, finalement, on se contentait d'observation dans une salle, ça pouvait être finalement comparé à visionner un film sans le son. Une partie des actions perceptibles par les participants eux-mêmes n'auraient pas été prises en compte. Bon. Alors, simplement, au-delà des questions méthodologiques, je voudrais dire quelques mots sur les enjeux de la prise en compte de tels phénomènes du point de vue du récit qui peut être produit par les sciences sociales et les journalistes sur le comportement des individus dans les foules. Il me semble que des routines descriptives existent, que les récits partent trop souvent de l'hypothèse d'un comportement homogène des foules et en particulier d'une effervescence collective chère à Durkheim. On pourrait tout aussi bien évoquer à ce sujet, par exemple, les descriptions de Tartre qui voyait les foules comme constituées de somnambules sous l'influence d'hypnotiseurs. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire des sciences sociales, l'histoire de l'ethnologie dans les années 60, on voyait des descriptions à la tare, de descriptions de foules qui étaient présentées comme hypnotisées, alors sur d'autres, pas forcément sur des technologies high-tech, mais en tout cas, on voyait vraiment des genres s'installer. Alors, s'il m'est apparu important de rouvrir ce dossier bien plus que centenaire, c'est parce que les descriptions des réactions aux nouvelles technologies font souvent état d'un enthousiasme débridé de la part des publics et que ce dossier est tout à fait d'actualité. Et même, vous avez toute une littérature, par exemple, en management de l'innovation, qui explique comment faire des présentations comme ça dans les publics, ça permet de désamorcer les critiques des spectateurs. Les spectateurs se trouvent dans d'autres situations. Et donc, du coup, s'ils sont face à des rapports, ils vont avoir des lectures extrêmement critiques sur les nouvelles technologies. Alors que si vous les mettez dans une situation de quasi-spectacle, ils vont avoir des comportements très, très différents. Et c'est ce qui va permettre d'expliquer la diffusion des technologies. Donc, une problématisation vraiment de l'enthousiasme. Mais je pense qu'au-delà de ce cas, parce que finalement, pourquoi ça pourrait vous intéresser par rapport à vos différents terrains et vos différents objets d'observation, c'est parce que je pense que ce cas ne constitue très vraisemblablement que la face émergée d'un iceberg. Nicolas Mario, par exemple, a constaté l'importance des routines descriptives qui consistent à mettre en évidence des foules effervescentes
dans les récits des voyages présidentiels. Je le constate pour ma part fréquemment aussi dans les travaux de sociologie et d'histoire des sciences. C'est particulièrement vrai chez les historiens des sciences qui travaillent sur des périodes très très différentes, qui disposent souvent, surtout sur les périodes plus anciennes, de peu de sources sur la réception des démonstrations publiques des sciences et des techniques. Alors, au-delà des sources iconographiques, ils s'appuient souvent sur des comptes rendus de séances pour mettre en avant des réactions enthousiastes des publics. Je vous donne un exemple. Et il me semble qu'un regard critique accru sur les sources, c'est-à-dire être équipé d'autres lunettes et d'autres hypothèses de travail a priori, pourrait conduire à un renouvellement historiographique intéressant. Par exemple, les expériences publiques des principes newtoniens dans l'Angleterre géorgienne sont souvent présentées comme des rouleaux compresseurs qui disciplinaient les regards et parvenaient à imposer la théorie newtonienne à des publics impressionnés. Il est possible qu'une attitude plus critique des historiens à l'égard des sources permettrait de construire des récits plus complexes, mais aussi plus justes, pour rendre compte justement des conditions du succès, entre guillemets, des théories newtoniennes. Dans le domaine de la sociologie des sciences, parce que je veux aussi vous présenter un peu des domaines par la même occasion, certaines approches privilégient une attention exclusive aux non-humains et en particulier aux dispositifs déployés dans le cadre des présentations techniques à l'exclusion des réactions des publics. Donc là, c'est un choix délibéré. Dès lors, les récits produits tendent à attribuer une force considérable aux dispositifs et des effets plus univoques et plus intenses que ceux qu'ils génèrent vraisemblablement en pratique. Les analyses disent ce que font les dispositifs, comment ils imposent là encore des vues homogènes au public. La mise en avant de comportements et de points de vue homogènes est d'autant plus facile à produire que les sources ne sont pas disponibles ou que l'enquête n'est pas menée. Il me semble donc, en conclusion, que la prolifération actuelle des archives numériques constitue non seulement une occasion d'aborder des phénomènes nouveaux, mais aussi une opportunité d'interroger des routines descriptives qui se déploient sur des terrains très différents, et aussi de rouvrir un dossier toujours important pour les sciences sociales. J'espère, en tout cas, vous avoir fait partager mon enthousiasme pour cette question de façon parfaitement homogène. Et je m'arrêterai là. Merci, merci, merci beaucoup, Claude. On va pouvoir avoir un bon temps de discussion. Alors, je vais pour laisser le temps à Franck et Johan et Yann de se préparer. Bon, je vais pas essayer de bâtir des parallèles artificiels entre vos interventions, quoique entre un concile et une démo, je pense qu'il y aurait des choses parce que tout ça, il y a des choses, tout ça se prépare. Les préparations sont un peu cachées, et puis à un moment il faut exposer, et puis il faut diffuser. Il y a des stratégies de communication, de diffusion, évidemment. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, des gens qui croient moins. Enfin bon, tout ça pourrait être rapproché, mais en fait, je voudrais essayer d'être plus sérieusement, revenir sur la question des archives et sur la question en fait du différé. Parce que ce qui peut-être permet de réfléchir à vos deux interventions et d'en faire surgir quelque chose, la question du différé et de la distance, en fait. Voilà, tu as utilisé à un moment ce terme d'archive en temps réel, hein, qui est très, très souvent utilisé, d'archivage en temps réel. Est-ce que ça veut dire que l'archivage en temps différé est irréel? Est-ce que c'est un temps irréel qu'on fabrique? Est-ce que quand Chiara réussit à se rendre aux archives vaticanes, voilà, quelques 70 ans après ce réel, est-ce qu'elle est confrontée à une distorsion, en fait? Alors ça, évidemment, ça heurte les historiens, ça heurte, je pense, encore plus les archivistes qui sont habitués à créer justement du différé, en fait, entre le réel et ce qui va devenir un objet de recherche.
Et puis, il y a du différé qui est juridiquement encadré, hein, comme vous le savez, quand on a des archives qui sont justement juridiquement bornées. Donc, voilà, le différé de temps, les archives comme médiation, hein, et donc ce que, évidemment, cette question de l'archivage immédiat vient heurter en fait de plein fouet une des définitions de l'archive, qui est justement une médiation et donc par définition un tri et un choix dans le réel opéré. Donc, et puis la question de la distance, voilà, de l'observation sur place ou à distance. Et là, pour le coup, Claude, tu as bien montré que, en fait, même si tu as dit que tes capacités cognitives ne te permettaient pas de tout observer en même temps, assez vite, en fait, tu as pu voir que, mais ce que fait n'importe quel historien, sociologue, archéologue, en fait, n'importe qui observe un objet, c'est-à-dire que si tu l'observes de deux points de vue différents, bien, évidemment, tu en tires des enseignements différents, et que ces geeks que tu vois un peu blasés, affalés sur leur chaise, qui en fait soupirent, donc en observation immédiate, hein, peuvent dans le même temps écrire des tweets enthousiastes, parce que peut-être, je sais pas, peut-être leur voyage est payé par quelqu'un, ou peut-être la rédaction pour laquelle ils travaillent, voilà, donc il y a des contraintes. Et ça, effectivement, toutes les sciences sociales en fait sont confrontées à ces espèces d'effets de bruit, d'effets de souffle, hein, et je veux dire, n'importe qui a rédigé des rapports d'activité sait que voilà, l'écrit n'est pas plus fidèle au réel que l'observation concrète, quoi. Voilà. Donc c'était juste quelques idées comme ça pour lancer la discussion. Je suis sûr que nos discutants auront plus de pistes, mais voilà, cette question de l'archive comme trace ou comme miroir, parce qu'il y a ça, hein, dans les démos et aussi, je pense, dans les archives religieuses, c'est-à-dire des traces archivées qui veulent essayer de créer un effet de miroir et donc d'une certaine manière un effet de Larsen qui interdit l'analyse et la distance et la distanciation et la prise de recul. Évidemment, en sciences sociales, on essaye de travailler toujours la source comme trace et non pas comme miroir, quoi. Et donc de travailler cette distance en permanence et cette question de la médiation.